Et voici mon fidèle compagnon de route, ouais. Piotr. Aujourd'hui, Eugénie, les poissons. Mais on s'en fout du poisson. Mais non, les poissons. Bon, et ça, c'est notre poisson, Boris. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance, Aurillac. Le Covid qui s'en va et qui revient, et qui s'en va et qui revient comme une chanson populaire. C'est fait le tout petit rien. Le public. Ah, pardon. Mais aujourd'hui, madame, messieurs, tout va changer grâce à notre élixir. Miraculeux! Avec ce spectacle, c'est la première fois qu'on vient à Aurillac. Ouais, c'est le premier. Ouais. C'est le premier. C'est la première en France, en fait. Ouais, la première date en France aussi qu'on fait à Aurillac. C'est mon frère, c'est Luca de Studio Pika. Et en fait, ensemble, on a tout créé ensemble parce que lui, il a fait vraiment toute la structure. Mais après on a un an de création en sous, tu fais des petits changements et tu le réadaptes et tout. En fait, c'est toujours en mouvement, c'est un travail en continu. En continu, Il y a tellement de petits détails. Et le véhicule en soi, on l'a acheté en Sicile. Ouais. C'était un monsieur qui était à la retraite, qui ne l'utilisait plus. Il allait au champ avec et il le gardait dans son salon. Si, Aurillac, à la place des Carmes, pour te présenter ce produit exotique, fantastique, extatique, psychosomatique qui va te foutre là. Fais entrer le produit magique. On l'appelle un peu un tragédie comédie. Pas, parce que c'est un peu tragique aussi, comme la vie, c'est pas tout le temps des rois, des riz. Et voilà, et c'est pas tout facile, c'est tout en coordination de travail, de temps. Et voilà. Et aussi avec l'acrobatie, on a un metteur en scène qui nous aide depuis l'extérieur, qui n'était pas là sur toute la création, mais à certains moments, qui est venu souvent. Et il nous a beaucoup aidé dans tout ce qui est justement coordination des mouvements, quand on est les deux en même temps à bouger. C'est pas toujours facile d'avoir du public, donc là nous on est très contents, on avait un beau public. Et aussi ici en France c'est un public très intelligent, critique, alors c'est bien d'avoir une réponse, de savoir si ça marche ou pas, parce que ça c'est tout, pour nous acteurs c'est tout le temps en question, ça va marcher, ça va marcher pas, comme l'agent il va apprendre notre petite histoire, notre moment de création. Ouais. Et les prochaines dates alors que vous avez à Aurillac? Et là on va au Bonheur des Mômes au Grand Bornand, proche de, en France, mais c'est proche de Genève. C'est un grand festival. Et puis après on va faire d'autres dates en Suisse. On va finir la tournée en Suisse jusqu'à mi-septembre. Okay. Et après on retourne en Sicile, un peu à le chaud. Et, ici c'est chaud aussi. Oui, il fait chaud aussi. On fait un peu la mer peut-être. Et voilà, là-bas on a un autre projet de cirque. Alors on va travailler là. Okay. Ben merci à vous deux et puis bon festival. Merci. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Là, il y a des vieux. Des 90 euros. Ouais, accélère là. Salut. T'as entendu ce que j'ai entendu? C'était nous? C'était nous! La vache! Oh, c'était nous! Pas quand, c'était nous! Oh! La maison! L'extincteur! J'ai trouvé! Ah! Vite! Oh! Mais qu'est-ce que tu fous, Paco? C'est pas le moment de dormir! Réveille-toi! Miracle! Miracle! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God!
Faudra un café pour me réveiller. Un café. Hey. Garçon, je voudrais un café, s'il vous plaît. Il n'y a plus de café.